pas que je ne dise pas cela. Et non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et moi, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Je lui forcerai bien. Oh, elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Quoi, il te l'a pas dit? Non, vraiment? Oui, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Monsieur Purgon. Est-ce que Monsieur Purgon le connaît? Non, la belle demande, il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de Monsieur Purgon. Mais quelle cléante? Nous parlons de celui pour qui l'on a demandé en mariage. Eh bien, c'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diaparus. Et ce fils s'appelle Thomas Diaparus, et non pas cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin, Monsieur Purgon et moi-même, et ce gendre prétendu doit m'être présenté demain matin par son père.